Après de longues années de combat, Clio Pagxé a enfin pu goûter aux joies de la maternité. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a annoncé la bonne nouvelle à sa façon sur Instagram ce vendredi 31 mars. Clio Pagxé a été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste entre 2016 et 2017. Malgré son retrait des écrans, la jeune femme continue d'être active sur les réseaux sociaux. Ainsi, le public a pu découvrir son long combat afin de devenir maman. En effet, ses excès alimentaires et sportifs lui ont porté préjudice, comme elle l'a confié dans une lettre ouverte à son corps en 2020. Depuis 5 ans, je suis plus douce avec toi, j'ai appris à t'aimer tel que tu es et je suis même fière de toi. Devenir professeur de yoga aura vraiment changé ma vie. Avoir un enfant prendra un peu plus de temps et pourtant. Ce sont bien les kilos que j'ai toujours rêvé de prendre. Alors laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir été stupide et de t'avoir fait du mal car tu as été, tu es et tu resteras toujours parfait. Tu es mon temple. Et je t'aime, a écrit la professeure de yoga. Heureusement, la chance a fini par lui sourire. Bienvenue bébé. En octobre dernier, Clio Pagxé avait discrètement annoncé sa grossesse avec une photo dévoilant son baby bump. De semaine en semaine, ses abonnés ont pu suivre l'avancée de la future maman jusqu'à ce vendredi 31 mars. La compagne d'Aurélien a publié un cliché d'elle avec son bébé dans les bras, ainsi qu'un autre où elle était presque à son terme. Un avant-après original pour annoncer la bonne nouvelle. L'ex-mannequin a accompagné son poste de la légende suivante, « Tu es parfait à chaque étape mon bébé d'amour. Tu as volé nos cœurs. PS. En accord avec mon petit cœur, il ne sera pas sur les réseaux sociaux. Et ça, au moins jusqu'à ses 35 ans. Clio Pagxé n'a pas précisé la date de naissance exacte de son enfant, ni son prénom. L'équipe de TPMP heureuse pour Clio Pagxé. Très rapidement, la publication de la jeune maman a fait sensation sur Instagram. De nombreuses personnes l'ont félicité, y compris d'anciens collègues de Touche pas à mon poste tels que Valérie Bénémé qui lui a écrit « Oh mais c'est merveilleux. Mazel Tov Clio. Bienvenue au petit ange. » Quant à Francesca Antoniotti, elle l'a félicité, à l'instar de Raymond Abou. Des messages qui ont dû faire chaud au cœur à la principale concernée. Viewsis post ton Instagram à post shared by Clio Pagxé @ Clio Pagxé, à lire aussi Clio Pagxé, cette remarque d'un agent de mannequin qui l'a fait sombrer dans l'anorexie à l'adolescence. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Yeah.